La transmission du mouvement aux roues avant de tous les véhicules de notre marque est assurée par deux arbres de longueur inégale, comportant chacun un joint homocinétique à chaque extrémité. Arbre court côté gauche, arbre long côté droit, le plus souvent soutenu par un palier intermédiaire. Les arbres de transmission ont deux origines principales. Fabrication GKN. Ces arbres possèdent un joint à tripode fixe côté roue. Il est désigné par le terme GE ou Glenzer extérieur et se reconnaît par son bol en acier brut en forme de sphère. Il est associé à un joint à tripode coulissant côté boîte, appelé GI ou Glenzer intérieur, reconnaissable à son capot en tôle. Le diamètre du bol et celui du tripode coulissant donnent la classification de l'arbre. Ce type de transmission équipe les véhicules possédant un moteur de petite à moyenne puissance. Fabrication PSA. Le joint côté roue est à billes. Joint RZEPA, identifiable par son bol en acier usiné, muni d'un gros chanfrein. Et à tripode coulissant côté boîte, il est appelé JB ou joint de boîte et possède un capot court en acier usiné ou brut. Les diamètres fixent les classes. Ce type d'arbre correspond à des moteurs de moyenne à forte puissance. Les joints GE ou RZEPA reçoivent une roue phonique rapportée sur les véhicules disposant de l'anti-blocage de roue. Une transmission mixte d'origine GKN existe également. L'arbre de liaison entre joints est plein ou tubulaire, en différents diamètres. L'embout fileté recevant l'écrou de moyeu a un diamètre correspondant au type de véhicule. L'écrou est immobilisé par matage dans deux rainures ou par une goupille. Les joints sont protégés des entrées d'impuretés par des soufflets qui retiennent en même temps la réserve de graisse. Les soufflets des joints situés côté boîte de vitesse sont toujours en caoutchouc néoprène. Les soufflets des joints situés côté roue peuvent être en néoprène ou en thermoplastique, plus résistant mais moins souple et par conséquent plus volumineux. Ces deux variantes n'ont pas les mêmes types d'accrochage et ne sont pas interchangeables. Quelques modèles, uniquement en néoprène, reçoivent des anneaux chargés d'éviter la centrifugation du soufflet côté roue. Ces anneaux sont en plastique ou en caoutchouc. Les transmissions peuvent subir deux types d'incidents principaux. Défaut d'équilibrage, qui se traduit par des vibrations et nécessite l'échange de l'organe. Crevaison du soufflet, en général côté roue. La graisse est centrifugée sur les organes adjacents et le joint travaille à sec en subissant de plus des entrées d'impuretés. Une transmission ayant un soufflet crevé doit être réparée par échange de l'organe complet si elle se révèle bruyante en roulage ou par échange du soufflet. Une transmission est réparable si son jeu angulaire n'est pas sensible. Pour l'estimer, bloquez la transmission par une extrémité et exercez des efforts de rotation à l'autre bout. L'échange d'un soufflet réclame un certain nombre d'outils regroupés dans un coffret, plus différents supports et matériel de ligaturage. Les nécessaires de réparation comportent le soufflet, les ligatures ou colliers,
la dose voulue de graisse, les circlips, ressorts et pièces de sécurité. Choix du soufflet. Si le soufflet est en néoprène, observez son profil extérieur sur le gros diamètre. Si la zone recevant le collier est étroite et bordée par un épaulement, le soufflet possède à l'intérieur une seule gorge de maintien et ne se monte que sur un bol à une rainure. Si la zone recevant le collier est large et sans épaulement, le profil intérieur comporte deux gorges de maintien et ne se monte que sur un bol à deux rainures. Cas de l'arbre de liaison tubulaire. Les soufflets néoprènes ne comportent pas de gorge à cause de la minceur des parois. Le soufflet thermoplastique comporte quant à lui des gorges très fines. Le remplacement du soufflet côté roue implique le démontage préalable du joint côté boîte. Protégez la portée du joint d'étanchéité côté différentiel avec du ruban adhésif. Réalisez un marquage pour repérer la position de la tulipe par rapport à l'arbre afin de placer au remontage les galets du tripode sur les mêmes pistes de travail. Mesurez et notez la cote entre les deux soufflets. Immobilisez le GI avec le support serré dans l'étau. Déposez la tulipe. Le ressort et la coupelle. Retirez le maximum de graisse sans utiliser de solvant. Déposez le circlip à l'aide d'une pince. Mettre le tripode en appui sur l'épaulement de la plaque. Repérer sa position par rapport à l'arbre. Et l'extraire à la presse. Couper le collier. Et sortir l'ensemble protecteur. Soufflet thermoplastique côté roue ou arbre tubulaire. Pas de gorge de positionnement. Prendre la mesure entre l'extrémité de l'arbre et le soufflet. Couper les colliers. Et déposez le soufflet. Retirez le maximum de graisse. Ne pas utiliser de solvant. Placez le soufflet neuf sur l'arbre. Répartir la dose de graisse dans le soufflet et le bol. Coiffez le bol avec le soufflet.
contrôler sa bonne mise en place par la rotation de l'articulation. Régler la distance entre le soufflet et l'extrémité de l'arbre. Mettre en place les colliers. Interposer une protection, serrer l'arbre dans l'étau. Mettre en place le tripode. Le chanfrein doit être placé à l'opposé du circlip. Aligner les repères. Et reposer le circlip. Répartir la graisse dans le capot. Placer la coupelle, le ressort. Aligner et emboîter la tulipe munie d'un joint torique neuf. La tulipe étant maintenue en compression, sertir le capot. Régler la cote d'écartement entre les soufflets. Glisser une baguette de soudure entre soufflet et arbre afin de créer une mise à l'air libre. Certains soufflets disposent d'une bague de mise à l'air libre. Serrer les colliers. Chaque soufflet peut être remplacé indépendamment. Protégez la portée du joint d'étanchéité côté différentiel avec du ruban adhésif. Réalisez un marquage pour repérer la position de la tulipe par rapport à l'arbre. Mesurez et notez la cote entre les deux soufflets. Immobilisez l'arbre de liaison dans l'étau en position verticale. Coupez les colliers. Déposez la tulipe avec précaution pour éviter la chute des galets et de leurs aiguilles et les maintenir avec le protecteur de dimension adapté ou avec du ruban adhésif. Le tripode est immobilisé par matage des cannelures de l'arbre. Repérez sa position par rapport à l'arbre et le déposez à la presse. Remplacez le protecteur. Reposez le tripode et l'immobilisez par matage sur des cannelures intactes. Poursuivre le remontage.
Fixez une agrafe à l'extrémité du feuillard en rabattant un brin de 2 cm environ vers l'intérieur. Déterminez la longueur du feuillard en effectuant 2 tours du soufflet et préservez une longueur supplémentaire de 6 cm. Orientez l'agrafe trou vers soi et après un premier tour, introduire le brin dans son ouverture. Réalisez un deuxième tour et passez le feuillard au même endroit. Engagez la bande dans la fente la plus étroite de la pince, 1 à 2 cm au-dessus de la boucle. Engagez le bec de la pince dans la boucle et serrez. Coupez le surplus et rabattre l'extrémité sous la boucle. Mesurez et notez la cote entre les deux soufflets. Coupez les colliers. Et dégagez le soufflet. Vissez le manchon taraudé, puis l'extracteur à inertie, à l'extrémité de l'arbre. Extraire le bol. Déposer le jonc et le soufflet. Posez le soufflet neuf, remplacez le jonc. Comprimez le jonc à l'aide d'un collier serré modérément. Reposez le bol. Et ôtez le collier. Répartir la graisse. Glissez une baguette de soudure entre soufflet et arbre afin de créer une mise à l'air libre. Réglez l'écartement avec l'autre soufflet. Ôtez la baguette, puis serrez les deux colliers à l'aide de la pince spéciale. Les transmissions mixtes comportent un joint GI côté intérieur et un joint à billes côté roue. Chaque soufflet peut être remplacé indépendamment. Avant la repose, remplacez le joint de sortie de différentiel et nettoyez la graisse centrifugée dans l'environnement.